Ah, ça. Il me restait 200 HP, il m'a fait un coup d'épaule, je suis mort, mais c'est quoi ce signe de merde? J'espère qu'il va faire ma tech ou quoi. Non, 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 c'est pas des connards, tu vois. En fait, c'est des semi-cancers, bon. Quand tu meurs, ça attire pas un seul. Ok. Dommage que t'as pas une capacité avec General Grievous où il se bat avec ses 4 sabres. Si, y'en a une. Si, bug. Juste un coup avec ses 4 sabres ou sinon, tu sais, il fait la toupie, mais c'est tout. Ouais. Ouais, mais bon, après, ce serait trop cheaté. T'as vu comment il joue bien? Il esquive bien. Ouais. En vrai, tout ce qu'il fait, c'est dérouler ta pomme, mais. Ça serait trop cheaté sinon. Ah d'accord. Tu es en train de gagner contre Yoda parce que si Yoda n'a qui Oh le bâtard il m'a repoussé quand j'ai fait ma frénésie là. Ah merde, vraiment Yoda, je sais pas. Horrible ce personnage. Ah sa petite taille c'est pas du tout. Ah, sauf genre la petite taille de Yoda c'est loin d'être trop bien. Bon mais frère c'est fini, je peux pas la gagner. Merde. Allez, réveille le Eliano White qui est en toi. Non frère, en plus ils sont à deux frères, casse les couilles, il veut vraiment la win. Ah et en plus vraiment tu lui as pas fait de dégâts. Oh, casse les couilles. Faut que j'arrêterai vers 16h, un truc du genre. J'allais voir ma grand-mère. Ah. What? Normalement, j'ai rejoint. Et du coup, Sisti, t'aimes bien ou pas Assassin's Creed? Bah, bien sûr! Là, j'étais en train de faire Brotherhood là. C'est ça. En fait, j'avais. Avant de faire des lives sur Twitch. Je mettais tout ce que je faisais sur YouTube, je l'ai fait encore. Mais en gros, comment dire, je les mettais sur TikTok après, tu vois. Et au fur et à mesure que je le faisais, je faisais moins de vues. Genre, le Assassin's Creed 2, genre les premières vidéos, c'était genre 1000 vues. Et après, j'en ai fait 200, tu vois. Genre, même des fois, j'ai fait 50 vues, j'ai fait, ouais.
Et maintenant que je l'ai mis sur Twitch, bah moi je fais et je l'exporte direct sur YouTube et après. Ouais, Kix, Avec il en a parlé, ouais. T'es mieux payé avec ça, je crois, mais vu que c'est pas vraiment dispo sur Play, je sais pas si c'est très utile. Ah. Bah, est-ce qu'on nique tout de suite notre duo? Non, mais moi je vais prendre un truc de loin. Hello there. Oh non, on est sur un Anakin là. Ouais, c'est pas... Pas comme le... Impossible, voilà. Vous ne me voulez aucun mal. J'ai un Anakin Obi-Wan là. Je sens la peur. Les blasters. Mais genre. Bah ouais. Si je peux te rejoindre, mais je suis plus grand. Ça va aussi. Un lâche et un effronté. Enfin.
Enfin, nous aurons notre revanche. Vous n'êtes pas à la hauteur. Je ressens votre peur. Vous ne faites pas le poids. Ah merde. Ouais, tout ça. Là, bébé 8, tu dois l'avoir, mais c'est en étape clé, tu vois. Gloire à Fador, seigneur noir des éliminations. Vous êtes doux. En même temps, il campe. Oh putain, hé. Il est où? Ah mais c'est des modes. Non non c'est pas le jeu non. Ah moi il y a à moins que ça a changé hein, mais je sais que au début quand j'ai commencé à jouer sur TikTok j'avais vu qu'il y avait Ahsoka et même Starkiller et tout, et je dis mais t'as eu ça où, et il y avait même Calcifi, et je dis bah t'as eu ça où et tout, il m'a dit c'est un mode, je suis pas d'accord. Vous voulez
attention. Ouais, j'ai... Mais je vais m'amuser avec Sidious. Il a de la vie, ouais. C'est même sa manière de se battre et tout. Ouais. Attends, il y a un blaster là, je sais pas où il est. Ah bah. Ouais. On donne tout. Non mais genre. Dark Vador prouve une nouvelle fois que personne ne sait négocier comme un seigneur noir des sites. Ok. Ah bah ouais. Putain, je suis même. Ah bah. Et il a pu s'en sortir. En fait, c'est grâce à moi, quoi. Si vous êtes encore vivant. Qui me donne tout le mérite alors que j'en ai foutu, absolument. Mais du coup, ouais, c'est des mobs parce que quand je regarde le nombre de persos disponibles, bah, ça me met les. Sur PC, ça me met les bons persos qu'il y a sur la play. Ah ouais? Bah on quitte le temps que qu'il appelle sa copine. De toute façon là on était du côté clair, je crois trop. Ouais. Et il dit que je pourrais vous laisser vivre. Ouais.
Bah, je sais même plus d'où ça vient, c'est dans... Je sais plus dans quel film c'est. Ah bon? Je crois, hein, c'est ce que j'ai de la merde. On va regarder ça. Ce que je sais que votre mauvaise foi me concerne, c'est... C'est au tout début. Genre quand il étrangle un capitaine. Genre, est-ce que accepter c'est dans le retour du Jedi? Quand il, tu sais, il est en train de parler avec un de ses, avec ses commandants, ou tu vois que le commandant il tombe, puis il fait excuse accepté, commandant. Tu connais Star Wars déconne? Star Wars déconne? Ouais. Oh, genre. Non, c'est une parodie de Star Wars. Star Wars déconne. Eh bien. Donc je suis trop vieux. Trop vieux pour... je suis trop vieux pour ces conneries. Non, c'est... ça date de la primaire déjà, donc... Au début du... début YouTube, tu vois. Genre au début, Dark Vador, il arrive, tu sais, dans le... La Nouvelle Espoir, il arrive dans le vaisseau, tu sais, et puis genre, il est quand même imposant. Bah dans Star Wars déconne, il a fait et big bisous. Non, il fait mais putain, qui c'est caché sur l'ambiance ici? Y a pas de meuf et tout. C'est en gros l'empire de Dark Vador et de l'empereur, c'est Optique 2000. Viens, je suis Optique 10 000. On se tape là droit de meuf, on ira chez Flunch. Ouais, c'est plus gros là normalement. Ouais, bah évidemment. Ah oui, le contrôle de police. Il y a plus de 10 ans. Ça a été remis en HD tout ça, mais il y a,
C'est bien d'il y a plus de 10 ans. Genre, allez, une vingtaine. Non, pas une vingtaine d'années, sinon je. Ouais, si. Genre à 10 ans à peu près. Je l'ai connu en primaire. Donc, ouais, c'est à peu près 20 ans. Bah, YouTube, c'est. Ça. Tu rigoles ou quoi? YouTube c'était en 2007, non hein? Non, 2007 c'est le. C'est comment dire, la naissance de la tectonique et tout. Et YouTube ça existait déjà depuis longtemps. Bah bien sûr, bien sûr. Bah ça. 2005, donc ouais, j'avais 12 ans en 2005. Et ouais, bah 12 ans, t'es au collège. Du coup, c'était il y a 18 ans. C'est Ma ça. soeur, elle est née en 2005, elle a 18 ans. À 18 ans, ta soeur. Intéressant, intéressant. Non. Ouais, donc non, c'était ouais, il y a 18 ans. Ouais, Gain de choix, je disais 20 ans, mais ouais, à 2 ans près. Hein, et je crois que c'est dans la même année, donc j'arrivais, ouais, j'étais en 6ème. Donc Star Wars Décon, c'était vraiment dans un truc en dehors de YouTube. Parce que je suis sûr et certain, c'était. Déjà passé à la télévision? Non, 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 non. Mais Dailymotion, c'était quand? Ça serait stylé. 2005 aussi. Stylé que sur certains héros, il y a des skins parce qu'il y en a, mais par exemple, Boba Fett, dommage qu'il n'y ait pas de skin avec son armure qui pèle tout propre. Bah oui, carrément. Bah, c'est soit. Alors, soit disant, il y avait un Battlefront 3 qui devait sortir. Sans le coup, ça s'est pas fait. Impossible parce que EA ils ont abandonné. Il y avait un studio qui était censé le faire, mais EA Ouais. ils ont dit non. Et du coup, à la place, c'est un autre jeu qui va prendre place. Ouais, c'est un jeu qui est en préparation depuis je sais plus combien de temps là. C'est. Ça a la même hype que Hogwarts Legacy. Mais en tout cas, il a intérêt d'être bien hein, parce que à cause de ce jeu, déjà, on n'a plus une mise à jour depuis 3 ans. Ouais. Et puis en plus, il n'y a pas de Battlefront 3, donc j'espère qu'il va être bien. Intérêt. Et au pire, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils font comme. Comment dire? Comme. Overwatch. Au lieu de sortir un nouveau jeu, ils font une mise à jour. Ils font une mise à jour et. Une grosse mise à jour qui ferait que tu passes de Battlefront 2 à Battlefront 3. Puis bah derrière, tu. Enfin voilà. Je sais, mais le premier était remplacé par le 2. Moi j'ai acheté le 1. Tu vois, j'ai acheté le 1. Et quand il y a eu le 2 qui est sorti, c'était une mise à jour. Ça m'a fait rire, genre 2 mois après la sortie de Overwatch 2, j'étais allé à Leclerc dans le rayon des jeux pour voir ce qu'il y avait, et je vois quoi, il y a Overwatch 1, je donne 40 balles le jeu, il n'existe même plus, Putain. super. Oh, Et d'ailleurs, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, ça m'étonnerait fortement parce que je crois que je suis le seul dans ce cas-là, mais tu vois le sabre laser de Kylo Ren, tu sais, ouais. il a fissuré son cristal, tu vois, il est plus C'est instable. ouais, voilà. Y a que moi qui aime bien les sabres qui sont pas instables, genre là, ok, ça donne un style, mais en vrai, je trouve un sabre bien, bien droit, bien fait, c'est plus beau. Ouais. Bon, là, il est instable et tout, mais à part faire du bruit, je pense que dans un combat, vu qu'il est instable, t'as plus de danger pour le mec qui porte le sabre que l'ennemi, quoi. Ah bah bien sûr, ouais. Bah quand tu regardes le sabre de Vador ou même Dark Maul, tout ça, sont bien Même droits. il est instable, et là quand tu vois le sabre magnifique de Dark Vador bien droit, bien, bien tout beau, tout propre, là, j'aime bien. D'ailleurs, ça aurait été stylé un skin de Dark Vador, mais tout blanc. Bah t'as déjà vu sur internet Dark Vador en mode rose Ah, mafieux il y a Dark Vador rose. ouais
Il y a une bob. j'ai failli la prendre, mais c'était ouais, c'était pour les journées Saint-Valentin, là, ça ressort tous les ans. Ah oui, ouais. Stormtrooper rose, t'as Dark Vador en rose, et puis les autres, je connais pas. Bon, il en prend du temps. Je crois que j'ai entendu. J'ai entendu. Je range ma chambre. Ah, j'avais jamais regardé les boss de victoire de Dark Sidious, mais mon dieu, il y en a une. Hein. Ah, ces doigts crochus là. Ouais. Moi j'équipe bien bien. Ah, j'ai envie de frapper. Good, good, good. Alors sur PlayStation Plus, il n'y a pas Hogwarts Legacy, peut-être sur le Play Store. Il va sortir sur Play 4 3 ans après le sur Play 5. De toute façon, je l'achèterai jamais. Ah, je croyais qu'il allait sortir dans pas longtemps. Non bon, ça m'étonnerait. Ah bah si, Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard version PS4. Ouais, déjà sorti. Ouais. Oh, par contre, 70 balles. Non, merci. Je vais attendre qu'ils fassent des réduc. Attends, t'as le standard, c'est 69 balles. Enfin, 70 balles. Et le Deluxe Edition, il est à 84 balles. Hey, quand tu vas dans les pauses des victoires d'Universio, on en a une, garde le sol. Ah ouais? Et genre, elle vise le sol, genre, au cas où, tu vois, si jamais. D'ailleurs, Eden Versio, à part dans les jeux vidéo, elle n'existe pas dans l'univers Star Wars, si? Eden Versio aussi, bah dans le jeu, ouais. Mais pas dans l'univers avec les films et tout, tu vois. Oui, moi je parle de ça. Elle n'est jamais apparue autre part que dans le jeu, genre. Non, 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 non. Enfin, moins qu'on les croisait, mais. Parce que des fois ils aiment bien faire des easter eggs. Genre. Je te parlais de ce vaisseau là, Tali Vintra. Genre elle est apparue, genre je crois, 2 secondes dans un des films Star Wars, et puis ils ont mis son vaisseau. Tali Vintra? Attends. Ah, c'est le A-Wing RZ2, ouais, c'est. Eden Versio, Armand, Boba Fett, Kylo Ren. C'est Marseille. Les femmes et leurs complexes façon sexe. Oh ouais. Ah c'est vieux ça. Bah s'ils mettent ça, cette musique là, je suis sûr que tu la connaissais même pas déjà. Sans sexe. Ah t'avais des. C'était les groupes de mecs qu'on. Bah c'est les Tribal Kings ça s'appelle. Et c'était les mecs.
Ils avaient choqué la toile parce que ils disaient ça justement. Ah bah ça, genre il y avait une musique qui avait été connue parce que là il parlait de quelle est la couleur de ton string ou un truc du genre. Nouveau follow, Lens Asuk. Oh bah merci pour ton follow. Nensasuki. Et bienvenue sur mon live. Ça va, Talia? Sans feu, sans gêne. Un homme aussi fesse. Femme oublie leur complexe façon. Bah, c'est bien. Ouais, bah. J'espère que ça te plaira les lives que je fais. Bon là je suis en solo hein, pour l'instant hein, mais c'est parce qu'il y a le copain il est un peu occupé. Ok, ça marche. Bah, il nous a invité, sniper. Bah, si, pourtant, bah, il est avec nous. Ça marche, Lens Asuk. A tout de suite. Coucou Caillou. Quoi coucou Caillou? Oh bah d'accord. Si 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 mais il est parti. Hier on n'en pouvait plus hein. Et t'as pas le mec qui était insupportable, vraiment, je faisais que insulter, vraiment c'était horrible que tu... Et quand il a quitté, j'étais là mais je fais mais heureusement il a quitté, franchement. Et le mec qui est insupportable, le mec qui a 13 ans et demi, ça y est, il faisait que insulter. Tu pas ton pote? Si si, mais il est plus là. Bah je lui disais, j'ai dit mec, après moi je lui disais ça pour déconner au début. J'ai insulte pas trop, je suis sur Twitch, tu vois, je vais peut-être me faire ban à cause de toi. Tu fais, ouais, dis mes frères, machin et tout, et puis tu commences à sortir, ouais, il a sorti un débit d'insultes, mais en 2 minutes de temps, tu vois. Et là, Sniper, il a fait, ouais, dis mec, c'est bon, quoi. Ouais. Mais il a 13 piges quoi. Mais je sais pas, il doit être pas très âgé quoi. Moi j'ai 17 ans. Ah ouais. Moi je préfère pas mentir, je suis loin d'être très âgé. Ouais. Moi j'ai 13 justement. T'as 13 ans? Ouais, techniquement tu fais beaucoup plus de stick aussi. La dernière fois j'étais un mec sur Rocket League et je me dis, ouais, il a mon âge et t'as pas, il a le mec qui avait 12 ans. Mais what? Oui, carrément, enfant. La seule excuse que j'ai, c'est qu'il est en fin d'année.
Oh, c'est bon. Oh, vas-y, ouais, c'est mal là. Le côté obscur subit une première perte en un temps record. Le côté j'ai tiré. L'avantage. Bah, je suis Dark Vador, hein, qu'est-ce que tu veux? Votre maladresse n'a d'égal que votre stupidité. Si vous triplez la prime, je pourrais vous laisser vivre. Vous ne pourrez pas vous cacher éternellement. Oh putain. Alors, Dark Vador, il esquive des balles, il esquive tout. Il se prend une grenade, il meurt. L'empereur observe ce déploiement. Je ne vous faciliterai pas la tâche. Je suis content de vous. Oh putain. Ça fait chier parce qu'ils enlèvent mes éliminations comme ça. Je vous déconseille de vous battre. Ne me faites pas perdre mon temps. C'est rien. La folie meurtrière du côté obscur continue. Pas d'échappatoire. Ça marche, pas de problème. C'est là qu'on gagne, c'est... Bon, Rage, je me casse les couilles là. Tenter de se cacher est illusoire. Les pacifistes dominent la concurrence. Quand tu veux que je fasse quelque chose, je suis au sol et genre t'as. Comment dire. T'as Antolo qui me tire dessus en même temps. J'étais en 1v1 avec Ray. Hein. Votre maladresse n'a d'égal que votre stupidité.
morts sont vains. Rebelles sont partis par là. Vous poursuivez le combat. Quel courage. Ah putain. Ouais. Oh putain, mais genre. En plus, c'est même pas lui qui me tue, c'est vrai quoi. Je dois avoir un décalage ou un truc du genre, tu vois. Parce que moi, lui qui me touche. Enfin, je tape sur Luc, et elle me bute alors qu'elle m'a pas touché, tu vois. Tu t'es pris pour ce Solid Snake. Voilà, draconisé. Oh, t'inquiète. La sénatrice Organa. La vie vous quitte peu à peu. On est en train de remonter à Dada de fou. Ah, c'est ton frère? Ah, j'ai cru que c'était une meuf. Petit frère ou grand frère? Petit frère, ah ouais. Et c'est lui qui demande que tu lui dises de s'il te plaît? Oh. Ah. Non, t'inquiète. Hein. Enfin, moi je dis ça, mais j'ai une sœur, tu vois. J'ai pas eu de frère, mais je sais ce que c'est. Surtout quand c'est moi le grand frère de base, c'est moi le grand frère. Et c'est un peu passé pour la grande sœur, donc. Et ça a le don de m'énerver. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as de quoi raconter là aujourd'hui, dis donc. Qu'est-ce qu'il y a?
Talia. Arrête. Tu arrêtes? Ouais, je suis là. Introduction épique. Les plus grands héros de la galaxie, les plus terribles méchants. Ah d'accord. Bah ouais. Tous lancés au cœur d'une terrible. Ah, je suis en jeu, ouais. Bah, tu y es plus. Pas de précipitation. Ah, c'est peut-être parce que t'avais pas pris de personnage, non, si. Bah merde. Pourtant, on vient de commencer. Oh. Oh, je vais y aller. Je vais partir. Je tue pas le patine et j'y vais. Alors, tu veux prendre l'air un peu? Il y a Shadow, hein. Ah, la dernière fois, mon chat, il m'a fait super flipper. Genre, en fait, j'ai une grande fenêtre dans mon salon. Mais vraiment, elle est grande, tu vois. Non, même pas. En fait, je suis dans un appartement. Mais en gros, c'est les vieilles fenêtres années 1800, tu vois. Genre, le truc, tu peux voir même... au fond de ton appart, tu vois, c'est des gros trucs. Et en gros, avant, quand j'avais qu'un seul chat, ce chat-là se mettait au bord de la fenêtre. En fait, c'est tellement grand qu'elle allongeait son corps, elle posait ses pattes, tu sais, puis elle regardait dehors. Et genre, elle restait comme ça, tu vois. Donc, moi, j'avais confiance, je dis bah, elle reste comme ça, c'est nickel, tu vois. Sauf que là, en ce moment, j'ai une petite de 8 mois qui est arrivée. Elle a commencé à faire pareil, sauf que elle s'est mise sur le rebord de la fenêtre. Et j'habite à au moins, on va dire, 8 mètres du sol. Je suis au deuxième étage et c'est des grands appartements, donc... Donc ouais, j'ai très flippé. J'ai beaucoup flippé. Aucun héros était... Mais, ok. Bon, on est que deux. Ah oui, ok. Chargement, introduction épique. Les plus grands héros de la galaxie, les plus terribles méchants, tous lancés au cœur d'une terrible bataille. Fais gaffe, Fabio, il va arriver. Hein. Allez, prends l'air. Tu peux prendre l'air. Ouais. Ah, c'est ça qui t'intriguait, d'accord. En fait, dans ma rue, bah, là où j'habite, en fait, tous les étés, ils font des genres de décorations. Non, toi par contre, tu restes là. J'ai pas vu que tu refasses la même. Tu restes là. Et en gros, ça fait des feuilles. Et
c'est pourquoi tu lâches la fenêtre, toi? Lâche pas la fenêtre. Qu'est-ce que tu fais, donc? Pourquoi tu lâches la fenêtre? Pourquoi tu lâches la fenêtre? Qu'est-ce que tu fais dans? Oh, ça par contre. C'est un moment que j'attendais. Ah ouais. Bah vous battez bien, hein. Et Obi-Wan. Tiens. Non, saute pas, hein. Tu vas pas te mettre aussi, toi? Tu ne bouges pas. C'est dingue ça. Hein. Oh, t'inquiète pas. Ouais, t'inquiète. Thank you.
Carrément. Bien. Laisse-toi envahir par la haine. Cette fille, je reconnais ce... Adieu. Adieu. Putain, il est où lui? Mais il était où? Putain. N'a pas pu négocier. Bien joué. Là ouais. Ouais, ça va. Oh putain, elle est arrivée derrière moi, connasse. Elle m'a pris par derrière. Oh bah il voudra pas, je pense. Yeah.
Meilleur héros, c'est toi. Non, bah cherche pas. Ah bordel. Ce que vas-y, t'as certains personnages, mais pour le passé c'est facile. Et là, certains c'est un peu plus dur. Ah bah ouais. Merde, attends, j'ai pris solo, mais genre, j'ai pris solo comme si j'étais bon. Je sais pas trop. Arrêtez pas avec moi, merde. Bah comment ça se fait? Bah j'en sais rien, moi j'étais avec un clean, je sais pas trop quoi. Ah d'accord. J'ai quitté ta gueule. Attends, j'ai quitté. Je suis sur l'étoile de la mort là. Après t'as le... comment dire, t'as... ouais, le sniper c'est galère, moi j'aime pas trop, mais l'officier, ce qui est bien c'est qu'il y a une tourelle, genre tu peux utiliser une tourelle c'est une tourelle, tu poses. Genre le soldat long il a une tourelle portative où ça fait sulfateuse. Que lui il a une tourelle, vraiment une tourelle tourelle quoi. Laissez-les s'écraser sur nos défenses. Défendez ces positions, quel qu'en soit le prix. Les rebelles ne doivent pas avancer. Je vais au contact. Ah bah j'ai des rien. Ouais. Genre en gros tu peux te mettre dans un couloir, tu mets là et comme ça dès que les ennemis avancent. Par contre c'est ultra random. Des fois t'as des ennemis devant lui et genre il tire pas. Et là, oh non, je tire pas, c'est bon. Par contre, des fois, il y en a à 100 mètres, il va tirer, tu vois.
B il va se faire prendre. Ouais, pareil. Putain, sérieux là? C'est quoi votre délire là? Dégage de là! Allez! Qu'est-ce qu'ils ont tous à faire tomber les choses, moi? Ah, en pleine nuit, t'entends un bruit. Elle avait fait tomber mes figurines, la conne. Bah, je suis en repli pourtant. Ah, c'est bon. Les rebelles attaquent de nouveau. Nous devons désormais défendre ces positions. Genre là, tu vois, avec ton commando, tu peux mettre la tourelle au niveau des portes. Avec ton officier, pas avec. Talia n'y pense même pas. Votre destin est lié au mien. Vous m'avez bien servi. Je ne suis le serviteur de personne. Bon, le mec qui devait revenir, il n'est pas revenu. J'en ai marre de toi. Ouais. C'est pas tous les 5 minutes ? Défendez, protégez.
Cool. Je suis à B là. Ouais, ils arrivent tous là. À un moment il faudrait peut-être arrêter les conneries, dégage de là. Allez, va-t'en. Ok. Ah désolé, entre ça et m'occuper de mes chats là, ça... Ah je sais pas ce qu'ils ont là mais... Merci. Ah, je l'avais vu tout à l'heure. Et j'ai fait des trucs et ça a l'air de marcher, mais bon, c'est pas... peut-être aléatoire. Ah d'accord. Ça marche bien. Bob, j'en ai marre de cette vie d'empire. Je préfère mourir plutôt qu'aller dans la République. Je vais te dire au revoir. Tu viens avec moi ? Trop gentil de ta part. Ah, j'ai vu. Oh là là, fais chier. On se plaint alors qu'on était en train de faire les cons sur le rayon de la mort. Tiens.
tourelle est active. Allez vers la zone cible. Tenez-la. Ouais. Vas-y. Ah ouais, non. Ouais. Bah merde. Skywalker! Le côté obscur est puissant. Vous arrivez trop tard. Les Jedi n'étaient pas les héros. Bon, Dark Maul. C'est une victoire. Ouf.
Bah, il est fort dans le côté parce qu'il utilise la haine pour se battre. Mais il est Luke est plus fort en tant que Jedi, oui, parce qu'il est plus sage, des trucs dans le genre. Mais bon. Ouais. Bah voilà. Nos écrans détectent les forces rebelles en approche de cette lune. Prenez vos positions et ne les laissez pas passer. Les rebelles continueront d'avancer si nous les laissons capturer ces postes de commandement. Nous ne devons pas céder. Ouais. Et normalement, Leia, c'était pas censé être la sœur de Luke. Non. En fait, quand Yoda, il dit... quand, tu sais, quand Obi-Wan, il dit à Yoda en forme spectrale... Luke est notre dernier espoir, et puis qu'il dit non, il y en a un autre. En fait, normalement, il devait y avoir la sœur, la vraie sœur de Luke, qui devait venir. Sauf que Lucas, il a pas aimé... la pseudo-relation entre Luke et Leia dans le retour, enfin dans l'Empire contre-attaque. Donc c'est pour ça qu'il a mis Leia, il a fait devenir Leia la sœur de Luke. Ouais. Bah non, c'est... Oui, bien sûr. Mais c'est quand même... Genre, tout ça parce qu'il était jaloux du succès de l'Empire contre-attaque. Des stats. Est-ce que genre on sait le nombre de morts qu'on a fait, est-ce qu'on sait le nombre de morts qu'on a fait? Ouais, c'est quand tu fais le pavé tactile. Non, oui, en combat, mais genre en général, je crois. Je crois. Parce que j'aimerais bien savoir quand je fais pas mal de kills par partie. Des morts aussi, tu vois. Nouvelle, vous devez défendre l'objectif. Retranchez-vous. Putain, cet endroit-là dans la brume et tout, j'avais jamais fait. Ah, on voit rien. Ah ouais. Est-ce que moi j'ai
Oui. C'est ça où... En fait, cet endroit-là, ouais, c'est la chasse au Yolk, mais c'est en dehors, ouais. Mais en pleine journée. Ah, je suis sur A, là. Ah, c'est moi. Je suis en train de tout nettoyer là. Comment ça rebondit? Ouais, le DSTT, ouais. Faut me gâter. Avec mon DSTT, personne ne peut m'arrêter. Ouais, là, je suis en train de défendre la première ligne là. Ça, ils arrivent tous au centre là. Allez, ouais, qui t'a fait, il m'a fait une de ces esquives de ma roquette là. Vas-y. Bon, ils vont à un autre endroit là. Ça y est, je suis pas là, c'est le bordel là. J'entends Yoda. Ouais, je suis gold avec le TSTP, niveau 31. Niveau 31. Bon, on dirait, ouais.
Mais là je suis golden avec le TSTT. Vada, il a vu que j'étais en train de déglinguer tout ici là. Ah putain, je suis premier. J'appelais mon TSTT Gandalf. Car vous ne passerez pas. À part un. Ça doit faire plaisir aux autres joueurs que un gars en TSTT il sache jouer avec. Ah par contre ils arrivent tous d'un coup là. Je commence à avoir des dégâts de fou là. Ouais. Ah, il y a de la vie, mais... Ah, je commence à voir Nando et tout sur moi, là. En solo, j'avais. Ouais, je tiens le coup. 55 bruits de mon TSTT là, c'est pas bon. 166 là. Ça va, j'en remonte. Ah, je tiens bien, hein, putain. Je suis fier de moi là. Ouais, c'est ça. Je vais être dans le top 1 normalement. Bah carrément, je suis plus petit que Vada. Bon, je pense que ça va être ma dernière après. Et puis là, je vais chez ma grand-mère. Ouais, m'a gâté. Avec mon TSTT, personne ne m'a raté. Personne ne m'a tué. Je lance une roquette sur tout le monde. Tu veux nous faire la guerre? Je vais reprendre le spécialiste. Là en commando, faut que je sois gold avec le commando. Là je suis gold avec soldat lourd, officier et spécialiste. Donc vu que le commando c'est bon. Après je suis déjà gold avec le dev trooper. Il me faut le agent du EBSI
Et Rocket Trooper, Hayden Verso, je suis niveau 2. Ça se voit que je l'utilise beaucoup. Nous avons localisé la base rebelle sur Yavin 4. Nous allons pouvoir prendre notre revanche. Ne me décevez pas. Comment ça, dispersion? On ne recule pas! On avance, et celui qui meurt, il est mort pour l'Empire! Voilà! Une balle dans la tête, je suis niveau 68. Le pire, c'est avec mon soldat lourd, des fois je mourais, je gagnais des points. T'arrives pas? Bon allez, je vais te jet trooper. Qui est en Ewok là, j'ai entendu la corne. Ah, ça arrive de partout là. Ah, j'ai même pas cherché, j'ai foncé sur le gars, j'ai tiré deux fois et un coup de crosse. Bon allez, pour le délire, je prends Hayden Verso. Ouais, seulement pour le délire. Ouais. C'est vrai que je fais des dingueries avec, tu sais. Bosque.
Ah, j'ai gagné un défi, je savais même pas. Niveau 4, Indian Verso, ouais. Simple divertissement. Oh, il y a du monde sur B. Jedi en approche. Ouais, franchement, ça va, je gère avec Eden Verso. Ouais. Alors que j'étais level 2, tu vois. Nous sommes invincibles. Ah, Luke Sauvage apparaît. Niveau 5, allez. J'arrive, j'arrive. Mais what? L'agent du BSI il fait des
Des high kicks et tout. L'agent du BSI. C'est un soldat. Soldat avec deux flingues. Genre quand tu donnes des coups, il fait des subjets retournés et tout. Nous allons attaquer les dernières défenses rebelles à la manière d'un renfort qui fond sur sa proie. Soyez prêts. J'ai pas réussi à leur tirer dessus, j'ai pas compris. C'est un honneur. Ah bon non plus. On va passer de l'autre côté. Moi je les ai pris à revers. Ah, y'a Yoda. Ah. Bon allez, pour la fin. Préparez les troupes. Ah moi j'ai eu, pour Vador j'ai eu 4008. Ouais. En fait je reste sur le point 1. Mmh. Y'a un Ewok. Mais genre je l'ai pas eu. C'est parti pour le soldat lourd. 3, 2, 1, hop là. Roule des armes, ok. Attention, la cible est proche.
Normalement, c'est à droite. Non! Oh putain! Oh le... On a gagné, c'est cool. Terminé sur une victoire, c'est bien. Oh! Et il finit top 1, c'est bien ça. Oui, bon. Leader. Ouais, c'est ma dernière, ouais. C'est ma dernière. J'ai quelques trucs à débloquer, puis bah, je vais y aller. Parce que là, avec ce que j'ai fait, les deux trois manches d'avant, là. Alors, déjà Eden Verso, 3 points de compétence. Hop, ça va, ça s'est fait. J'ai 4 cartes déverrouillées. Méthode alternative. Eden Verso peut utiliser le tir secondaire de son TL50 plus souvent. D'accord. Alors que c'est le truc le plus chiant. La santé maximum de bouclier droïde est accrue, ok. Et quand Eden Verso touche un ennemi avec le canon impulsion, elle le relève pendant un court moment pour elle et ses alliés. D'accord. Il n'attendait pas la venue des forces spéciales. Oh la voix qu'elle a. Il n'attendait pas la venue des forces spéciales. Notre empereur. Oh là là. Ah, donc c'est vraiment au tout début, l'idée de verso du début. Quoi. Alors que elle devient rebelle et tout. Bosque, niveau 8. Genre j'avais rien débloqué d'autre. Ah si hop. Bah fait. Désorientation aiguë. La durée de désorientation pour les ennemis touchés par les roquettes à concussion est augmentée. D'accord. Commando. Hop. Là j'ai augmenté ça. Parce qu'en fait j'ai toutes les cartes débloquées mais je les ai pas débloquées au max. Ouais, t'as pas mis les niveaux quand même. Ah, voilà. Il manque plus que deux. En fait, genre pour mon commando j'ai tout fini. Genre toutes mes cartes elles sont level rose là, t'es max. Ouais. Le soldat lourd aussi. Vador aussi. Palpatine aussi. Maul aussi. Luke aussi. Putain. Yann Solo. Ouais, Yann Solo, je le 40. Soldat lourd, ouais, tous les cartes sont débloquées. Et c'est rose, tout est rose. D'accord, putain, 727 points. Non, quand même pas, mais genre j'en avais peut-être 40 quoi. Ah oui. Sauf que vu que j'utilisais pas les capacités, ou celles que je jouais, bah les autres je m'en foutais. Hmm. Je crois, ah ouais, la tourelle ionique, c'est ça que tu me disais tout à l'heure. Pour officier. Ah non, ça c'est une tourelle équipée de roquettes ionisées, hautement efficace contre les véhicules et autres appareils. C'est de la merde. Pour le soldat lourd ? Ouais, mais pour l'officier, je vais regarder si c'est capable. En fait, t'as la sentinelle. Le blaster, d'accord. Voilà. En fait, t'as la sentinelle suralimentée. Donc, celle que t'as au début et après. Genre, en fait, c'est suralimenté. Donc, en plus, ce qui est bien, c'est que tu peux te déplacer. Genre, c'est largement mieux.
Et après, t'as la sentinelle explosive. Et là, celui-là, c'est. Ça fait tout, tout, tout. Genre, tu sens le recul, c'est. Et si tu joues bien, t'as trois bonhommes devant toi, et avec la sentinelle explosive, même si c'est long à charger, ça fait des dégâts de fou, tu vois. Mais là, comme c'est un jeu en coop, et qu'il y a blindé de monde à chaque fois dans un couloir, tu sais, autant prendre le suralimenté, et puis y aller, tu vois. Après, ouais, en officier, ouais, c'est. C'est tourelle blaster, ouais, amélioré. Près d'une arme qui se verrouille sur le soldat ennemi, lance des roquettes qui suivent leur mouvement. Bouclier d'escouade. Ah, t'as un bouclier d'escouade aussi, je savais pas ça. Ah ouais, mais c'est considéré aussi comme si c'était une sentinelle. Bah moi j'ai plus rien de débloquer, normalement j'ai. Ouais, voilà. J'ai une étape clé. Recul réduit pour EL16HFE. Unification d'armes, ok. C'est pour le commando, ouais. Non, non, j'arrête. Là, j'ai eu un nouveau cross pour le commando. Fiable, robuste et conçu pour les combats. J'ai remarqué que, genre, par exemple, là, ben, moi, le soldat lourd, j'ai levé le max, c'est-à-dire que le level 41. Ouais. Pas plus de 41. En gros, pour, par exemple, l'officier, si je le joue, dès que t'as des pistolets, et tu peux en avoir des différents, même pour les armes de l'officier et le soldat lourd. Ouais. Oui, carrément, ouais. Bah, soldat lourd, ouais, j'ai tous les armes. Moi. J'ai. Ouais, c'est la deuxième. Non, moi je suis le FWMB du K. C'est. Ça envoie en rafale. Pff. Ah ouais. Ouais, en refroidissement, il y a beaucoup de refroidissement, ouais. Au niveau de la portée, c'est pas terrible, mais la cadence de tir est nickel. Et les dégâts, ça va, tu vois. Mais moi, je tire dans la tête, donc ça va, c'est pas... Blaster lourd du premier rang, disposant d'une cadence de tir moyenne et infligeant d'importants dégâts. Bon. Après, t'as les autres, hein. L'autre, le TL50, par contre, ouais, lui, niveau cadence de tir, il est très bien. Par contre, niveau dégâts, c'est pas terrible. Et il y a l'autre, le T21, par contre, lui, blaster et. Genre, en gros, au niveau de la. Au niveau de la portée, il est très loin. Le refroidissement, c'est pas terrible. Mais en tout cas, au niveau dégâts, il y envoie. Et t'as un truc, c'est le mode rafale. Par contre, ouais, j'ai été un peu déçu du truc. Faudrait que je le refasse, ça, ouais. Je vais réessayer. Et je suis toujours bloqué à la campagne. Ah ouais, ouais. Ah. Ah bah ouais, en plus je t'ai dit que Hidden Versa... Ah ouais, Hidden Versa, je suis toujours bloqué. Ah, j'ai eu du mal, j'ai vraiment eu du mal, c'est vraiment un coup de bol. En fait, je crois que tu peux faire le tour. Et t'as un moment, t'as une grande porte, et c'est à cet endroit-là que j'ai pu... avancer plus facilement, tu vois. Mais il faut vraiment y aller doucement, parce qu'en gros, dès que tu tires sur le stand trooper qui est devant, t'as la blinde de stand trooper qui arrive. En fait, moi, c'est juste, en fait, soit je fais de mon bourrin, ou je suis... Mais ouais, là, franchement, je n'y arrive pas. Ça fait 6 mois que je suis bloqué à ma clinique. Ah ouais. Si j'ai pas envie de regarder une vidéo, de me dire, ah, bon, bah, si je regarde une vidéo... Ouais, c'est... Ah, c'est comme ça qu'il faut faire Je vais pas commencer à rien faire maintenant, quoi, ou à regarder des vidéos maintenant. Ah bah ouais. Bah moi je reviens ce soir vers 18h, donc si t'es là, on peut se refaire une partie. Y'a pas de soucis. Allez, à tel.
Bah SCP il est encore en train de jouer là. Ah. Ouais, salut. Salut.